there's no place I'd rather be. Eh bien, yop tout le monde, c'est Crazy Antoine pour une vidéo, comme sur le titre, une vidéo tuto sur Windows 8 et Windows 8.1 pour éviter les redémarrages inattendus et les arrêts inattendus de votre PC. Donc moi, ça m'est arrivé plus d'une fois que mon PC se redémarre et s'arrête sans qu'il me prévienne pendant que j'étais en vidéo ou sur Minecraft, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Souvent le matin, bah, c'est toujours le matin que ça me le faisait ça. Maintenant que j'ai fait ça, je l'ai fait hier, maintenant bah, ça me le fait plus. Du moins j'espère que ça durera, mais logiquement il n'y a plus de problème. Donc pour ça, il vous faudra aller sur votre métro. Si vous ne savez pas faire, vous allez appuyer sur votre touche CTRL, CTRL, et échappe, et donc vous passerez sur le métro. Vous allez dans rechercher, et vous marquez afficher donc, les paramètres système avancés. Nalim, je te cache. Non, je rigole. Donc, vous allez dans paramètres système avancé par défaut déjà. Donc, moi, j'ai pas paramétré tout ça. Hein, je m'en fous un petit peu le nom de mon PC. Quoi. Donc, voilà. Et vous allez dans paramètres. Donc, une fois dedans, vous avez redémarré automatiquement qui sera logiquement coché si vous l'avez pas décoché. Et moi, comme il était coché, bah, ça me faisait un peu... problématique, donc il faudrait que vous le décochiez, vous ferez OK, vous faites appliquer OK ou directement OK, et vous redémarrez votre PC, et logiquement tout sera bon. Bah, variable d'environnement, je sais pas si je ferai un tuto dessus, hein, surtout que ça sert un peu à rien, surtout pour les codages Java, mais bon, au moins je sais que c'est là, hein, je savais déjà, mais bon. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto sur Windows 8 et Windows 8.1 vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, cela me ferait vraiment plaisir, et c'est ainsi qu'on dit bye, et ciao tout le monde.